Bonsoir. Non, moi c'est Maybrise, non, moi c'est un travailleur social de profession. Non, moi c'est responsable d'une association qui est le CAPA sur Haïti. CAPA qui est le centre d'aide pour les personnes à problème auditif. Nous travaillons spécifiquement avec les femmes sourdes, puisque nous rendons compte que majoritairement, mesdames sourdes pas de chômage dans le pays, donc ils n'ont pas de travail, comme ça, ils n'ont pas de possibilité pour répondre à besoin de famille. Comme ça, nous avons pensé mettre des projets sous pied pour nous aider, mesdames et messieurs, à gagner des sources de revenus qui permettent de répondre à besoin de famille que nous avons. Pour ça, nous avons plusieurs projets que nous voulons mettre sous pied avec les familles. Nous avons des projets artisanaux, nous avons des projets de pisciculture, côté mesdames et messieurs, qui travaillent, qui produisent des poissons et qui vendent des poissons. Et comme ça, ils peuvent répondre à besoin de famille. Nous avons un projet tout de potager côté et chaque famille et mesdames ça qui soude n'a qu'à mettre pour eux des potagers comme ça il y a qu'à produire légumes il y a qu'à utiliser légumes ça et comme ça il y a qu'à vendre légumes ça tout donc capable un peu l'activité que livré et organiser surtout pour femmes soude n'a capable nous avons plusieurs sections nous avons section santé nous avons section éducation. Nous avons une section psychosociale et nous avons une section sport à croiser. Nous avons pas non seulement nous sensibiliser mon yo et pour yo faire prévention contre surdité, nous faire cours langue des signes puisque langue des signes c'est une langue que mon studio utilise. Donc ta prône pour langue ça vignon langue à part entière dans pays ya comme ça le you mon professionnel rencontré avec un monde sud l'a ka aider l'a ka accompagner par rapport à problème que li gagne. Donc c'est des projets que nous voulons instituer dans capa comme ça n'a ka aider monde ça yo et par rapport avec problème qui a fait face dans société ya. Merci.